Bonsoir et merci de nous retrouver pour le bulletin de ce mardi 28 mai. Quelques bandes nuageuses et pluvieuses sont visibles sur les images de ce soir. Elles ont engendré des averses sur les petites Antilles. La Martinique, quant à elle, est plutôt restée en marge avant l'arrivée de quelques arrosages en toute fin d'après-midi. La soirée s'annonce assez calme, puis les averses sont de retour cette nuit sur l'ensemble du département. Les minimales seront de 25 degrés. Les averses de la nuit précédente s'attardent demain en début de journée, puis elles laissent place à de belles éclaircies. Quelques ondées traversent ensuite de nouveau l'île l'après-midi et la nuit suivante. maximale attendu, 32 degrés. Les alizés de secteur est se maintiennent entre 15 et 25 km/h de moyenne. L'océan reste peu agité à agiter en Atlantique et canaux avec des creux moyens de 1,20 m à 1,50 m. Côté Caraïbes, c'est une mer belle à peu agitée où les creux avoisinent les 1 m. Cap maintenant sur nos marées. On attend une basse mer en Bête-Fort-de-France à 13h58 et deux hautes mers, l'une à 5h42 et l'autre à 22h30. 5h34, c'est l'heure à la Apparaîtront les premiers rayons du soleil. Ils disparaissent ensuite à 18h29. Voyons les tendances pour la fin de semaine. Jeudi, le temps est ensoleillé. toutefois, des averses circulent dans le canal de Sainte-Lucie et peuvent temporairement déborder sur le sud de l'île. Le vent se renforce et la mer devient agitée en Atlantique. Les périodes ensoleillées dominent vendredi, la brume de poussière persiste et les rares averses se cantonnent généralement au relief, le ciel s'ennuage ensuite en fin de nuit suivante et les précipitations deviennent plus nombreuses. Samedi, le ciel reste chargé à l'approche d'une nouvelle onde tropicale, les averses sont en effet nombreuses et peuvent être localement fortes, voire orageuses. Dimanche enfin, le temps demeure moussade et le risque d'averses fortes, d'orages et de rafales se maintient. On en parallèle, une légère baisse du vent. Il en sera de même pour la mer. Ce mercredi, la brume de sable est toujours présente, mais reste modérée. Madinair prévoit donc un indice à moyen sur tout le territoire en raison des particules fines présentes dans l'air. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Demain sera l'occasion de fêter les Ursules, et on se quitte avec cette pensée du jour les années nous enseignent ce que les jours ignorent. Merci de nous être toujours fidèles. Très belle soirée sur la première.